Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cet atelier taxe carbone. Quels impacts sur la transformation des filières? Alors avant de passer au dur de notre débat, juste un petit rappel. Compte tenu des conditions audio, le plus simple, mais certains d'entre vous le font déjà, c'est effectivement de suivre l'atelier sur l'appli avec vos écouteurs. En gros, sauf ceux qui sont au premier rang, il y a des chances que vous entendiez mieux que si j'essaye de hurler, ça ne servira à rien. Donc si jamais vous entendez pas, dernière chose, on va pendant trois quarts d'heure échanger sur le sujet de cet atelier, mais à la fin on aura un quart d'heure de questions pour que vous puissiez interagir avec nous. Donc je crois qu'on peut commencer. Alors évidemment vous savez tous que la crise énergétique a été plus qu'accélérée par la guerre en Ukraine, que l'été en France a montré à tous ce que c'était que les impacts du changement climatique en termes de méga-feux, de sécheresse et de changement climatique finalement. Et du coup, un peu à marche forcée, on est obligé de faire le lien entre l'urgence climatique, l'urgence énergétique, le fait qu'il faut accélérer la transition pour essayer de sortir de la nasse, on pourrait dire ça comme ça. Donc nous allons bien traiter le sujet, ne vous inquiétez pas, prévu initialement, mais dans ce contexte-là, parce qu'effectivement, pour des entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur, il est bien évidemment impératif de prendre en compte la dimension climatique, mais si on ne le fait pas en lien avec la question énergétique, et de façon plus large en lien avec l'efficacité énergétique, ça ne va pas marcher. Donc c'est très important et c'est vraiment l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est que vous ayez une sorte de bagage pour affronter ces temps de crise qui sont effectivement liés. Et on est beaucoup plus angoissé quand on a l'impression qu'elles sont pas liées, mais qu'elles s'abattent les unes après les autres. L'avantage d'avoir des liens qui permettent et des solutions qui permettent de comprendre comment ça marche, ça aide déjà à affronter un peu mieux la crise. Alors on va commencer par un tour de table de présentation. Donc nous avons la chance d'avoir Cécilia Bellora. Je vous laisse quelques minutes pour expliquer qui vous êtes. Quelques secondes. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici, donc Cécilia Bellora. Je suis chercheuse en fait, chercheuse en économie et au CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et je travaille sur les liens entre commerce international et environnement, en particulier changement climatique et politique climatique. Voilà. Donc on a une étude sur ajustement carbone à la frontière, on va vous en parler. Alors on va tourner Frédéric Penza, donc seul homme de cette table ronde. Et donc vous voyez qu'on est adepte de la diversité. C'est une vraie chance. C'est une vraie chance d'être là, d'être bien entouré effectivement. Donc Frédéric Penza. Alors pour moi, je suis en charge des financements export pour le groupe FIV. Donc FIV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe d'ingénierie industrielle français qui a été fondé un peu plus de 200 ans en 1812 par Jean-François Caille. Donc on intervient dans différents secteurs industriels. On conçoit, on fournit des machines, des équipements de procédés, des lignes de production, des usines clés en main. Donc comme j'ai dit, dans différents secteurs industriels, le ciment, l'acier, le verre, l'aluminium, l'intralogistique, enfin, plein de secteurs et plein de secteurs qui sont concernés par les enjeux climatiques. Ce qu'on peut dire qu'ils sont très carbo-intensifs. Ouais. Donc votre voisine, Laura Berthet. Bonjour, Laura Berthet. Donc moi, je travaille à la Direction générale du Trésor en tant qu'économiste et je regarde les questions qui sont relatives aux politiques sectorielles liées au climat et à l'environnement. Donc quand on parle de politique économique liée au climat et environnement, c'est principalement la tarification carbone au niveau national, mais en ce moment, principalement au niveau européen et les politiques qui sont liées en termes de, par exemple, de la taxonomie. Alors, dernière participante, Elvia Marcellan. Alors vous êtes directrice décarbonation client d'Equance. Alors on va peut-être commencer déjà par Equance. Ah bon, la notoriété d'Equance a bondi depuis hier. Oui, c'est ça. Depuis 48 heures, on nous connaît un peu plus, effectivement. Alors Equance, en quelques mots, c'est une marque commerciale qui est née il y a 18 mois. Alors pour ceux qui l'ont vu dans la presse, il y a deux jours, on était un actionnariat 100% Engie et le lendemain 100% Bouygues. Donc effectivement, on a une grande transformation qui s'est opérée aussi bien au sein d'Equance qu'au sein de Bouygues. Donc il s'agit du leader mondial des services multitechniques. Donc le génie climatique, la CVC, le génie électrique, réfrigération, etc. Donc on est les installateurs pour le secteur B2B, industrie, tertiaire et les collectivités.
Alors, ce qui m'amène, je vais commencer par vous, par cette première question. Est-ce qu'aujourd'hui, de là où vous êtes, de cette logique multiservice technique, vous voyez converger la compréhension par les entreprises qu'elles doivent adresser en même temps la question climatique, l'urgence climatique, la décarbonation de leur métier, et par ailleurs, travailler sur l'efficacité énergétique et bien sûr sur la transition de leurs approvisionnements énergétiques? Tout à fait. C'est vrai que le secteur industriel, de manière générale, a quand même s'est mobilisé depuis quand même de nombreuses années sur la question de l'efficacité énergétique dans une logique de rentabilité. Mais là, ce qu'on a pu voir aussi bien avec la crise du Covid qui a mis à mal les chaînes d'approvisionnement qu'avec la guerre en Ukraine, avec la hausse des prix, on est passé d'une logique d'investissement moyen terme à une logique d'urgence. Comment je paye ma facture? Durant la préparation, je parlais du mois de novembre. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, on voit des clients disant « je n'arrive pas à payer ma facture du mois de novembre ». Donc oui, on le voit. Certains acteurs, les plus gros, sont structurés et ont une logique d'investissement stratégique, etc. Pour toutes les chaînes d'approvisionnement avec les acteurs de plus faible envergure, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais notre devoir de conseil, c'est de les orienter et de leur proposer des solutions pour engager cette transition. Alors peut-être, puisqu'on a des entrepreneurs ici, est-ce que c'est possible d'aller vous voir en disant, et on posera la même question à Frédéric, de venir vous voir en disant « j'arrive pas à payer ma facture de novembre ». Je rappelle que vous savez tous que nous sommes le 6 octobre. Donc du coup, est-ce que vraiment c'est possible de reconvertir sa chaîne de production aussi vite? Alors oui, il est possible d'agir sur l'efficacité énergétique, pas forcément avec des logiques d'investissement, donc de CAPEX. Il y a des actions qu'on peut qualifier de lean énergétique qui visent à optimiser par du comportemental ce qui se passe au sein d'une usine ou d'un site tertiaire. Il y a des choses qui peuvent être faites. Oui, il y a des technologies en plus qui sont disponibles aujourd'hui, qui atteignent une maturité, qui font qu'on a un TRI vraiment très avantageux en ce moment. Et en plus, on a la chance d'avoir des subventions, des mécanismes type certificat d'économie d'énergie qui existent depuis de nombreuses années et qui permettent de rendre réelles maintenant les solutions. Alors Frédéric, vous avez un peu la même chose, puisque là, vous venez d'évoquer le fait que vos clients sont des très gros émetteurs de carbone et en général donc très gros consommateurs d'énergie. Donc comment ça se passe là en ce moment? Est-ce que vous en avez qui sont même en train d'arrêter ou de freiner leur production? Bah, oui, enfin, on voit que c'est le sujet du moment. Alors chez FIV, la chance qu'on a, c'est que Frédéric Sanchez, le président de FIV, ça fait 20 ans... C'est celui qui a créé Greenflex? Comment? C'est celui qui a créé Greenflex? Non, c'est pas le même. Non, c'est pas les mêmes, mais c'est pas mal. Donc Frédéric Sanchez, depuis 20 ans, croit vraiment à l'industrie du futur qui sera décarbonée et digitalisée. Donc ça fait 20 ans qu'on investit massivement en R&D, en innovation sur les sujets de décarbonation, digitalisation. Donc pour nous, cette industrie du futur sera décarbonée. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des équipements qui nous permettent vraiment de décarboner les outils de production, enfin, de proposer de la décarbonation à nos clients. Peut-être concrètement, décarboner, ça veut dire quoi pour vous, industriellement parlant? On permet en fait à nos clients, alors, avec les équipements FIV, d'émettre moins de CO2 sur la production de ciment. Donc, par exemple, on a des clients qui produisent du ciment. Nous, on ne produit pas le ciment, on leur fait l'usine client en main pour produire le ciment. Donc si on prend l'exemple du ciment, qui est un très bon exemple pour la décarbonation, on parle aujourd'hui en moyenne d'une émission de CO2 entre 700 et 800 kg de CO2 pour produire une tonne de ciment. Si on prend l'ensemble des équipements FIV pour produire du ciment, aujourd'hui, on arrive à 350 kg de CO2 par tonne de ciment. En gros, divisé par deux. On divise par deux. Donc là, quand on a ces objectifs... Là, c'est une promesse que vous pouvez tenir maintenant. Ah oui, les équipements qu'on vend aujourd'hui par FIV-FCB, notre filiale dans le ciment, c'est des équipements qui permettent, s'ils prennent tous les équipements FIV pour produire le ciment, qui permettent de réduire par deux leur consommation de CO2. Et après, l'autre sujet sur ces gros clients ciment ou après d'autres secteurs, on le voit, l'acier et l'aluminium, c'est pareil, on arrive à décarboner avec les équipements FIV grâce à l'innovation qu'on a développée, on arrive à décarboner et c'est une vraie demande de nos clients aujourd'hui. Il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets environnementaux pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors là, vous expliquez qu'effectivement, c'est en gros changer toute l'usine quand même. Hein. Donc on peut moderniser des parties de l'usine. Vous pouvez le faire avec juste des parties. Oui, bah en fait, on voit des clients historiques, parce qu'on travaillait beaucoup avec des clients historiques. Hein, on a sur tous nos secteurs. Donc, FIV, c'est 90 filiales dans le monde. Hein. Donc il y a beaucoup de clients historiques.
sur lesquels, qui ont des équipements qui remontent à 20, 30, 40 ans, qu'on modernise pour avoir des meilleures performances énergétiques et environnementales. Alors effectivement, juste là-dessus, donc vous êtes sur des secteurs qui ont effectivement une problématique climat, j'allais dire adressée globalement, puisqu'on est sur des réglementations, et on va y revenir, de plus en plus, qui essaient d'intégrer de plus en plus le risque climatique. Le risque énergétique, il n'est pas pour dans le futur, il est maintenant. Donc du coup, là-dessus, est-ce que vous faites bien le lien entre les deux, dans l'opportunité ou pas ? Et je repasserai la parole à Elvia avant de... Non, bien sûr, c'est sûr qu'il y a... Enfin, c'est surtout une opportunité pour nos clients. Après, on développe ces outils avec nos clients. Il y a une vraie demande, enfin, au-delà de l'opportunité et de l'urgence climatique, mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui de la part de nos clients qui viennent nous voir. On a eu des exemples aussi très concrets dans le verre, dans la production de verre, donc verre bouteille. Là, il y a des ralentissements de production. Bah, des ralentissements, mais des investissements pour émettre moins de CO2. Donc, notamment avec Veralia récemment, qui a investi dans une technologie FIV pour son four pour la production de verre. Donc, un des leaders mondiaux dans la production de verre bouteille. Et Pochet aussi en France, qui a récemment investi dans une technologie FIV pour la production de verre flacon. Ce qui veut dire qu'eux n'ont pas freiné leur production à l'inverse de Arc et... Voilà, Arc et... voilà. Ils ont investi dans une nouvelle technologie. Le public peut participer quand j'ai un truc. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a plein d'exemples concrets de nos clients sur... il y a une vraie demande aujourd'hui. Ouais. Et donc, Elvia, vous constatez ce lien fait entre vos clients sur la notion d'efficacité énergétique ? Oui, tout à fait. Nous, là, on voit une accélération de la demande, de savoir comment je fais pour réduire ma facture énergétique. On a quand même de grandes demandes sur comment éviter la consommation de gaz, parce qu'effectivement, l'approvisionnement a été mis à mal. Mais pour certaines applications, en particulier le verre, c'est quand même difficile de se passer du gaz. Tout dépend de ce qu'on considère. Donc oui, on le voit. On voit aussi que les acteurs qui sont plus grands ont aussi une responsabilité importante, et on s'inclut dedans, hein, nous Equans en tant qu'entreprise, c'est qu'on doit aussi accompagner toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que du coup, un grand acteur, même s'il agit extrêmement bien sur son site, dans sa politique RSE, climat, etc., il y a aussi le souci de se dire, je suis un gros acteur, mais sans mes fournisseurs, je ne peux pas fournir. Donc, il y a la logique aussi de comment j'attire et comment je tire toute la filée dans ce domaine-là. Nous, on a aussi confronté à une difficulté. On parlait tout à l'heure de technologies qui permettaient d'être implémentées dès aujourd'hui pour faire un switch gaz naturel, électricité. On parle beaucoup de pompes à chaleur sur la réutilisation de la chaleur fatale. Et bien aujourd'hui, pour avoir une pompe à chaleur haute température ou une pompe à chaleur tout court, et bien on a un délai assez important, quel que soit le fournisseur. Donc, oui, il y a des solutions, mais là, c'est la demande est... Alors, et global. Derrière délai assez important, c'est un an, 18 mois, 24 ? Non, c'est plusieurs mois, ça va être plusieurs mois quand même. Néanmoins, quand on parlait tout à l'heure de la facture du mois de novembre, eh ben pour le mois de novembre, la pompe à chaleur, ça va être compliqué. Alors, ça nous amène tout... Juste une précision par rapport à Elvia. Alors, je ne veux pas payer la facture de novembre, mais une précision sur la production de verre à gaz. Donc, les fours que j'ai mentionnés, c'est des fours électriques pour la production de verre. Oui, alors, reste un sujet qu'il faut qu'on ait assez d'électricité pour les faire tourner. C'est ça. Je vous rappelle que donc, tout ça est lié. C'était la démonstration est faite. Ce qui nous amène à Cécilia, et après on va avec Laura aborder clairement la question du mécanisme de compensation carbone. Cécilia, à travers ce qui vient d'être dit, on a donné des exemples très concrets. Aujourd'hui, à travers les travaux que vous menez, les questions, comment vous voyez finalement l'impact à la fois du sujet changement climatique, du sujet transition énergétique, j'allais dire filière par filière. Alors, en fait, si on essaye d'avoir une vision assez générale, et donc ce qui nous amènera ensuite aux politiques publiques pour essayer de gérer ça, il y a une vraie question globale qui est de dire, OK, sur le court terme, j'ai un problème historiquement, l'idée était d'utiliser le gaz comme la technologie de transition pour passer d'un mix énergétique, y compris de production électrique fortement carbonée, vers quelque chose de moins décarboné. Vous le rappeliez tout à l'heure en échangeant, c'était d'ailleurs aussi le but dans la taxonomie, donc dans la hiérarchie des financements au niveau européen. Alors on peut peut-être faire un sous-titre sur ce qu'est la taxonomie, c'est le référentiel vert. Exactement. Qu'a imaginé la Commission européenne pour flécher le verdissement, enfin au départ le verdissement. Oui. Et effectivement, là où elle a rejoint l'actualité, c'est que le 1er janvier 2022, elle a inclus le gaz et le nucléaire comme énergie de transition.
En gros, ce sont les secteurs dans lesquels les financements sont considérés comme étant verts et alimentant la transition. Et donc, clairement, on avait identifié le gaz comme l'énergie de transition. Or, aujourd'hui, le gaz, c'est le maillon sur lequel on a un problème. Et donc, comment on fait pour passer de quelque chose de très carboné vers quelque chose de pas carboné, alors que le pas carboné, on ne l'a pas encore complètement? C'est toute la difficulté. Et le risque, aujourd'hui, c'est qu'au final, pour pallier à l'urgence maintenant, on retombe, et c'est ce qu'on voit en partie, on retombe sur utilisation du charbon, utilisation de technologies qui sont extrêmement carbonées, mais qui sont flexibles et qui sont disponibles. Et avec des investissements de long terme. Et alors le problème, bien entendu, c'est comment on fait si on fait marche arrière et qu'on investit là-dedans, tout ça, c'est de l'investissement qu'on aura du mal ensuite à redéplacer, enfin qu'on ne pourra pas redéplacer, sauf avoir des activités chouettes. Et avec une vraie menace, c'est pour ça que la question se pose directement côté financement sur ce qu'on appelle dans le jargon les stranded assets, c'est-à-dire les actifs échoués. Les actifs échoués. En gros, construire aujourd'hui un port méthanier, on peut s'interroger, on sait ce que ça coûte. Est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? C'est une vraie question. Et est-ce qu'on aura tout court un retour, quel qu'en soit le volume? Et ça, c'est des sujets qui sont directement corrélés. Est-ce que vous voyez donc les secteurs aujourd'hui s'intégrer dans cette logique plus macro que vous venez d'évoquer? Comment ça marche, en fait, la réaction des diverses filières? Sur les diverses filières, je n'aurai pas d'informations exactes. C'est-à-dire que je pense que c'est Laura qui aura vraiment le côté politique secteur par secteur qui pourra un peu indiquer comment ça se passe. Mais clairement, on se rend compte que sans un input de politique publique, on va faire de la marche arrière vers du charbon. Grosso modo, je caricature. Hein, là, je fais vraiment. On a un petit risque, gros risque. On a un gros risque que ça fasse. Mais avec tout le côté. Compliqué parce qu'y compris on le voit au niveau consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que en termes de gestion de la crise et gestion de l'impact social de la crise énergétique, bien entendu la subvention au carburant aide, mais on sait très bien que d'un point de vue environnemental c'est juste qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et plus ça c'est un autre sujet, c'est un peu compliqué. On va y revenir, Laura. Alors donc ça c'est l'autre débat, ou alors la partie question qui est effectivement en fait un sujet très concret qui concerne tout le monde, qui est de dire est-ce que finalement parce que le prix de l'essence augmente, on doit aider les gens à y faire face, ça fait partie des politiques publiques finalement de savoir comment on arbitre. Alors plus globalement et effectivement pour vous, sans entrer dans ce détail de fallait-il faire ou non le bouclier énergétique, ce pourquoi vous n'êtes pas là, c'est vraiment aujourd'hui, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, comment travaillent les politiques publiques? Est-ce qu'elles-mêmes font le lien dans leurs incitations ou leurs réglementations entre la logique de décarbonation qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de Paris et qui a des objectifs, il y a une trajectoire française, comment on articule finalement la trajectoire globale de la France qui est elle-même membre de l'Europe alors que c'est l'Europe qui est membre de l'accord de Paris avec des politiques sectorielles et choses comme ça? Oui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, dans le sens où... Comme ça, c'est mieux. Parfait. Voilà. Et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et qui montrent que les efforts de décarbonation, les politiques climatiques, elles ne datent pas de cet hiver ni d'il y a quelques années. Il y a déjà un prix carbone, sujet de la table ronde, qui a été mis en place au niveau européen à partir de 2005 sur les grosses industries et installations électriques. Et ce qu'on peut voir, c'est tout d'abord, on n'a pas attendu la crise. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'il y a un véritable choc qui se passe en termes de politique publique, à la fois au niveau français et européen, avec le Green Deal annoncé par la Commission européenne et qui est en train d'être décliné. Et qui a vraiment été appuyé par la crise Covid et les plans de relance associés qui ont conduit à des énormes investissements dans le secteur vert. Et il faut voir que ça, au niveau européen, on est vraiment les pionniers en la matière parce qu'on a tous annoncé des engagements au niveau international, l'accord de Paris, mais c'est vraiment l'Union européenne qui est la première à mettre sur la table un paquet de mesures pour mettre en place en pratique, de manière effective, nos engagements en termes climatiques qui sont très ambitieux, à la fois pour 2030 et 2050. On peut peut-être les rappeler, donc l'objectif c'est la neutralité carbone en 2050 et avec ce qu'on appelle le pacte vert, donc qui permet d'avoir des objectifs précis qui se déclinent effectivement, qui ont des impacts. Et donc là, il y a une véritable volonté de mettre en place des nouveaux outils, des nouvelles réglementations et de l'accompagnement. C'est vraiment le triptyque qui est le prix carbone qui est au centre pour déclencher les investissements un peu partout.
Mais en même temps, donc un mécanisme de justement carbone aux frontières pour pallier les fuites de carbone. Ça on peut expliquer un peu, parce que je ne sais pas quel est le degré de connaissance de ce mécanisme, comment ça va marcher, à quelle échéance. Alors, donc la hausse du prix carbone qu'on voit aujourd'hui sur les industries, la production d'électricité et une partie de l'aviation, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Union européenne avance un petit peu seule. Il y a un degré d'ambition effectif qui est relativement plus élevé que ses partenaires hors Union européenne. Et donc là, l'idée, c'est que si on renforce encore nos objectifs et qu'on renforce nos politiques, qui deviennent plus ambitieuses en termes de prix carbone. On a vu, le prix carbone sur le marché de quotas a augmenté ces dernières années assez très fortement. On est aujourd'hui autour de 70 euros la tonne. On était à 20 euros la tonne il y a deux ans. On prend de plus en plus le risque d'avoir des fuites de carbone, donc concrètement, parce qu'il y a une différence de prix carbone entre le sol européen et à l'extérieur, des entreprises qui délocalisent pour faire face à ces coûts élevés. Donc aujourd'hui, on a un dispositif qui existe, mais qui est jugé relativement insuffisant pour contrer toutes ces fuites de carbone, et donc il y a la volonté de mettre en place un mécanisme qui a véritablement pour but de répliquer ce que les producteurs européens payent en termes de prix carbone sur les produits qu'on va rapporter, les mêmes produits. C'est vraiment ce qu'on appelle un mécanisme miroir, c'est pour faire payer exactement la même chose, pas plus, pas moins, ce qui est très important en termes de discrimination commerciale et pour éviter les répercussions en termes de tensions commerciales, pour juste être sur un pied d'égalité avec les producteurs étrangers. Alors, grâce à vous, on voit effectivement comment ça marche, j'allais dire théoriquement. Pratiquement, comment ça se calcule? Alors, concrètement, c'est répliquer le prix que vous voyez sur l'acier, le ciment, l'aluminium, sur les produits qu'on apporte avec le producteur étranger qui va déclarer le contenu carbone de son bien avec toute une derrière construction statistique pour que ça soit bien déclaré et bien contrôlé. Donc c'est vraiment un nouvel outil. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, l'état de la mesure, et on le demandera aussi à nos acteurs plus industriels, l'état de la mesure est satisfaisant? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une capacité à mesurer le CO2, alors direct, indirect, mais aussi importer. C'est un des grands enjeux de la tarification carbone, c'est pouvoir la mesurer. Et c'est vraiment pour ça que l'approche qui a été choisie, c'est quelque chose de très graduel, très progressive, où on se concentre au début sur des biens qui sont simples, homogènes, donc acier, ciment, aluminium, fertilisant, électricité. On sait mesurer aujourd'hui, parce qu'on le fait en fait tout simplement au niveau européen, avec le marché de quotas, on sait le faire. Et on avance très progressivement. Alors, on a vraiment une phase à blanc où d'abord on va déclarer les émissions pendant 3 ans. On paiera ensuite qu'à partir de 2026. Et ensuite, il y a 10 ans, en gros, de montée en charge du procédé. Donc, c'est vraiment l'objectif d'avancer graduellement et sur des secteurs qui sont, entre guillemets, simples, où on peut pouvoir mesurer. Alors, Cécilia, vous avez, puisque donc on connaît le mécanisme aujourd'hui, grâce à peu près, en tout cas celui que vient de décrire Laura, on va dire. Du coup, on peut commencer à modéliser, à faire tourner des modèles. Ce que vous avez fait dans une étude, quelles sont les grandes lignes de ce qu'il en ressort? Alors, je reviens juste parce que je fais la grimace, mais que je vous explique pourquoi je fais la grimace. Donc, juste, Laura l'a en partie dit, je vous rappelle le calendrier. Donc, aujourd'hui, donc, l'idée, l'annonce initiale faite par la Commission et ensuite confirmée par les États membres et le Parlement, l'idée, c'est que ce mécanisme d'ajustement carbone à la frontière rentre en vigueur en 2023. En toute théorie, c'est dans quelques mois, avec une première phase, comme Laura le disait, à blanc. Aujourd'hui, on est dans une phase où en fait le détail de l'ajustement et de son fonctionnement ne sont pas complètement connus. Il y a une proposition de la Commission, juillet 2021, donc ça fait un moment que le travail est dessus. Il y avait même eu une proposition du Parlement européen en amont. Il y a une contre-proposition des États membres, une deuxième contre-proposition du Parlement, et maintenant, en ce moment même, ça a commencé hier, je crois, ou avant-hier, il y a les discussions, ce qu'on appelle les discussions tripartites au niveau européen, donc États membres, Commission, Parlement européen, les trois essayent de boucler, tourner en rond jusqu'à ce que ça converge vers une proposition. Donc aujourd'hui, le détail, alors je dis tout ça parce que juste dans ce mécanisme-là, le détail est fondamental. Parce que, un, ça vous change les impacts.
Deux, ça peut vous... Et assez profondément selon les options. Deux, ça peut aussi vous changer complètement le positionnement de l'Union européenne vis-à-vis des pays tiers. Ce qui n'est pas nul, parce que comme probablement le mécanisme va avoir des impacts... Le contexte géopolitique dans lequel voilà, on est... Voilà, le géopolitique n'est pas complètement ça. Bon, voilà. Et du dans coup, notre dépendance à la Chine, qui est quand même le plus gros émetteur mondial, voilà. Par exemple. Donc, tout ça pour vous dire, donc un peu pour vous rappeler le calendrier et pour vous dire que bon, on a fait quelques choix au milieu de tout ça, et on a essayé justement. J'ai fait des études. On a fait des études. et on a essayé de fournir en fait des éléments, y compris pour que ça puisse rentrer dans la discussion. Alors, qu'est-ce qu'on a fourni comme élément quand même? On a un peu regardé différents impacts. Le premier, c'est un impact environnemental du mécanisme, puisque quelque part la défense initiale de ce mécanisme, surtout vis-à-vis de l'international, c'est améliorer les impacts environnementaux de notre propre politique climatique européenne. Le deuxième type d'impact qu'on a regardé, bien entendu, ce sont les impacts économiques, et on a distingué deux choses, les impacts sur les secteurs industriels qui sont protégés par le mécanisme et les impacts sur les secteurs industriels qui ne sont pas protégés par le mécanisme. Parce que Laura vous le disait, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a certains secteurs qui payent des quotas carbone en Union européenne lorsqu'ils produisent, c'est-à-dire quand ils émettent une tonne de carbone, ils payent un quota. C'est ce que vous disiez, Laura. Ce qu'a cité Laura. Exactement. Et d'autres, pas du tout. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est que c'est vraiment du miroir. Donc, il n'y a que les secteurs industriels qui produisent les mêmes biens que ceux qui payent chez nous qui vont être protégés. Alors, si je commence par les impacts économiques, qu'est-ce qui se passe sur ces premiers secteurs, donc ceux qui sont protégés? C'est-à-dire, en fait, ce qu'on va voir, c'est que simplement, concrètement, ce qui va se passer, c'est que quand je vais vouloir importer une tonne d'acier en Union européenne, cette tonne d'acier qui provient... Alors, historiquement de Russie, mais là, je crois que c'est plus trop le cas. Mais d'où qu'elles proviennent, on va demander aux producteurs de nous dire combien vous avez émis. Et donc, vous payez l'équivalent des quotas carbone qu'on aurait dû payer en Europe. Ce qui veut dire que concrètement, à la frontière, vous allez avoir une forme de protection sur ces importations. Et donc, ce que nous, on voit, c'est un effet assez direct et attendu, c'est une baisse des importations de ces produits. Une baisse non nulle, c'est-à-dire que sur du long terme, nous on regarde plutôt à 2040, c'est quelque chose de l'ordre de moins 8%, ce qui n'est pas négligeable avec le type de modèle qu'on utilise. Ok, donc ça c'est bien. Mais ça, en fait, ça va avoir deux impacts ensuite. Un premier qui est rarement imaginé, même quand vous regardez d'autres études, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les industries qui vont avoir besoin d'acier, je continue l'exemple de l'acier, quand elles vont vouloir acheter de l'acier, bah, elles vont se retrouver soit à importer de l'acier plus cher, soit en fait, du coup, elles vont se dire bah, je vais plutôt acheter de l'acier produit domestiquement, puisqu'au final, ça devrait coûter la même chose. Ok. Sauf que quand vous demandez de l'acier produit domestiquement, donc produit en Union européenne, qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez en fait la production d'acier européenne, mais dès lors que vous augmentez la production d'acier européenne, vous allez aussi augmenter les émissions, mais qu'elles sont bloquées. Donc en fait, vous allez augmenter le prix du carbone. Cet effet-là, ça va être augmenter le prix du carbone. Et ça, ce qu'on trouve, et c'était ce qui nous a aussi étonné, ce qui était la partie intéressante, c'est que l'augmentation est non négligeable. Dans le scénario, elle est la plus importante, c'est de l'ordre de 14% de plus. En sachant que, Laura le rappelait, on est à peu près à 70 euros la tonne aujourd'hui, on est passé par un pic à 100. Nos projections à 2040, sans mécanisme d'ajustement à la frontière, on est plutôt autour des 250 euros la tonne, donc ça pèse en termes de compétitivité. Et si on ajoute ce mécanisme d'ajustement, ben vous mettez 15% de plus, donc ce qui est non négligeable. Et ça nous conduit en fait à ce qui va se passer en aval. J'avais pris l'exemple de l'acier. Je suis un constructeur automobile. Alors, avec tous les bémols, donc je ne vous raconte pas une histoire d'électrification parce que pour le coup, il y en a trop. Mais je suis un constructeur automobile. Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'où que vienne mon acier, que je l'importe parce que je paye une taxe carbone, enfin un ajustement, ou que je l'achète en Europe parce qu'en fait, je paye plus cher de l'acier qui paye plus cher ses quotas carbone. Mon acier va coûter plus cher. Mon acier va coûter plus cher, donc ma voiture produite en Europe va coûter plus cher. Or, moi, producteur automobile, je ne suis pas dans les secteurs qui sont couverts par l'ajustement carbone. Donc, en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire concurrencer directement sur mon marché européen par des automobiles toutes finies, toutes faites, produites dans des pays qui, bah, eux, ne payent ni taxe carbone, ni ajustement carbone à la frontière sur une voiture qui est finie. Puisque la voiture finie, ne pourra dans le design actuel, et vous revenez à mon bémol initial, ne paiera pas. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec des effets de perte de valeur ajoutée et des baisses d'exportation
sur ces secteurs aval qui, en fait, ne sont ni couverts par l'ajustement carbone, ni couverts par la taxation carbone. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu l'effet complexe de la chose. Alors, on va faire réagir très vite Laura, parce qu'effectivement, pour garder une partie question, mais oui. Allez-y, oui. Est-ce que c'est un effet induit que vous prenez en compte? Oui. C'est un effet induit qu'on prend en compte et on a effectivement identifié des secteurs, tout simplement, hein, comme l'a dit Cécilia, en aval des chaînes de valeur ou même à l'export sur les marchés tiers où il y aura des répercussions sur le prix. Et c'est pour ça, c'est le point que je voulais souligner, c'est que on parle de taxe carbone, alors que c'est au niveau national ou européen, le marché de quotas, ce qui est vraiment intégré aujourd'hui dans les politiques climatiques, c'est on ne prend pas cet objet seul. Voilà, c'est pas on impose un prix carbone et ensuite on voit comment ça réagit, quels sont les impacts et si vous payez plus cher, tant pis. C'est vraiment un enseignement. Non, mais c'est vrai, c'est l'enseignement, c'est vraiment le paquet aussi mis sur la table sur la Commission européenne. C'est on renforce le prix carbone, mais en même temps, et vraiment en même temps, on met en place des réglementations avec de la prévisibilité. Voilà, la fin des véhicules thermiques, c'est en 2035, ce qui laisse 15 ans, enfin un peu moins maintenant, pour s'y préparer. Des réglementations pour vraiment assurer de la prévisibilité. De la coordination, c'est très important aussi, entre les pays tiers, pour pas qu'on se fasse concurrence ou autre, qu'on avance, on essaye d'avancer au même rythme, et un volet accompagnement. Et ça, c'est je pense, vraiment un des aspects cruciaux de toutes les nouvelles politiques climatiques, à combiner avec la tarification carbone, il faut accompagner. Il faut accompagner les plus vulnérables, que ce soit les ménages ou les entreprises. Et en fait, vraiment, en parallèle de la mise en place du mécanisme, il y a des fonds, mais de plusieurs milliards, qui sont mis en place avec les recettes de la tarification carbone pour financer des projets de décarbonation des secteurs qui sont assujettis. Donc c'est vraiment... Et l'idée, c'est même que ces aides aux investissements interviennent dès maintenant avec un mécanisme qui va monter en charge pour qu'on se démaintenant les investissements, décarboner et moins consommer de contenu carbone. Alors un dernier petit mot rapide, Elvia d'abord et Frédéric enfin, sur justement en gros, est-ce que vous voyez vos clients, on va anticiper tout ce qui vient d'être expliqué par Laura et Cécilia, parce que quand on s'équipe d'une nouvelle usine, ça prend quelques années. Donc est-ce que ça c'est déjà aujourd'hui... Oui, tout à fait, effectivement, là, si on prend l'exemple de l'automobile, effectivement de sortir des véhicules thermiques en France, on a fait le choix de construire des usines de batteries. Et donc, effectivement, on a la chance de pouvoir nous stimuler un secteur d'activité qui était en... Désuétude. Difficile, on va dire. En déclin. Donc, effectivement, il y a cette logique-là. Et donc, c'est une formidable opportunité de pouvoir arriver à transformer l'essai dans la création de nouveaux écosystèmes, dans des zones... qui était déjà un peu désindustrialisé, c'était compliqué. Je voudrais juste rebondir sur cet aspect, c'est-à-dire l'investissement bas carbone avec beaucoup de fonds qui existent, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs. C'est un peu symptomatique, c'est le millefeuille à la française, quoi. C'est-à-dire que du coup, il y en a quand même 60 actuellement, hein, donc avec des critères différents, avec des guichets différents et des calendriers différents. Mais très orienté sur le CAPEX, donc vraiment l'investissement. Et nous, ce qu'on voit aussi, c'est que nos clients disent « Oui, mais moi, j'aurais besoin de quelque chose qui soit plus orienté OPEX. » Donc vraiment notion du ici quotidien. Ici et maintenant. Quoi. Voilà, ici et maintenant. Mais ça, je sais que c'est des réflexions qu'il y a, mais en tout cas, on voit bien les deux. Frédéric, juste donc le mot de la fin. Vous voyez vous voyez vos clients anticiper dans leur demande de nouvelles usines, en particulier sur tout ce qui vient d'être dit? Oui, là effectivement, c'est ce qu'on voit vraiment. Que c'est des secteurs accompagnés, en fait. Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, une prise de conscience collective, alors de la part de nos clients, de la part de nos partenaires bancaires, de la part des assurances, donc avec BPI aussi, qui nous accompagne beaucoup là-dessus, alors notamment avec le bonus climatique qui permet d'aller sur ces sujets environnementaux. Donc le bonus climatique, c'est une bonne base de départ qui mériterait d'être améliorée, à mon sens, mais ça, c'est un autre sujet qu'on a, sur lequel on discute avec BPI Assurance Dans un autre contexte. Dans un autre contexte, voilà, effectivement. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a une vraie demande de nos clients d'avoir des équipements qui aient une meilleure performance environnementale et qui permettent de décarboner. Donc après, revenir, on voit ce mouvement et pour moi l'avantage de la taxe carbone qui a été mise en place, pour moi c'est une vraie opportunité et c'est un outil majeur
qui peut nous permettre de conduire aux objectifs qui ont été fixés pour réduire les émissions de CO2. On le voit bien, nous, il y a plusieurs années, nos clients n'étaient pas prêts à faire opérer ce changement, qui est un surcoût quand même pour nos clients. Aujourd'hui, la donne a changé. Alors, avec cette taxe carbone, avec le prix du carbone qui augmente, ouais, bien sûr. Et ça joue dans la réflexion de nos clients. Donc effectivement, avec le MACF, ça va jouer sur nos clients hors Union européenne. Donc on le voit sur nos clients hors Union européenne qui cherchent à investir sur des équipements qui sont beaucoup plus performants, donc décarbonés, digitalisés, pour être plus compétitifs s'ils souhaitent exporter sur l'Union européenne. Après, comme l'avait dit aussi Cécilia, et comme c'était pris dans une note de Cécilia, il faut que cette vision soit globalisée aussi, pas uniquement à l'échelle de l'Union européenne. Une dernière question, est-ce que vos clients intègrent dans leur business plan et dans leur tableau d'amortissement un prix de CO2? Et alors, quand ils y sont soumis, oui, est-ce qu'ils l'augmentent? Et ceux qui n'y sont pas soumis, est-ce qu'ils le font? Quel est le pourcentage aujourd'hui? Nous, on le met de fait dans notre offre, enfin dans l'offre de notre équipement. Après, ce prix du CO2, on peut le calculer sur leur retour sur investissement. Il peut y avoir un vrai gain sur nos clients sur ce sujet-là, retour sur investissement. Mais ils viennent chez vous, pas de chez eux, pour l'instant? Nous, on offre des solutions pour nos clients. Donc ça, c'est nos clients. Après, comme disait Elvia, il y a du CAPEX, il y a de l'OPEX. On intervient aussi, on est sur ces deux points-là. Et Elvia, du coup, pareil, vous qui proposez? Nous, effectivement, on le propose. Effectivement, pour les clients qui sont soumis au quota, pour le coup, c'est du business. Hein, donc du coup, clairement, la tonne de CO2 est regardée avec beaucoup, beaucoup d'attention. Donc c'est intégré. Pour les autres clients qui ne sont pas soumis au quota, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Par contre, ce qu'on voit pour les acteurs de taille plus modeste, c'est la nécessité d'être référencé rang 1 des acteurs qui sont eux soumis au quota ou autres. Et donc eux, ça les tire à dire c'est une dimension que je ne mettais pas et ça devient primordial dans mon business. Sinon, ils ne sont pas rang 1. Alors, du coup, je vous avais promis, et il reste 5-7 minutes de questions. Alors, il y en a une ici. Je pense qu'on peut vous entendre. Sinon, je vous fais passer un micro et tenter le coup. Vous m'entendez ? Oui. Deux questions. Une très précise. Vous avez dit que l'impact de la taxe carbone dépend des détails. Quel niveau de confiance avons-nous dans les détails ? Attends. Oui. Merci. Alors, ce que je vous propose, parce qu'en fait, je me suis trompée dans le timing, on a un quart d'heure. Donc, je vais vous passer, heureusement, Marie. Donc, Thomas, qui est là, va vous passer le micro. Alors, le mien, je crois. Oui, c'est ça, le mien. Comme ça, on vous entendra mieux. Alors, vous avez jusque 16 heures pour discuter, mais il n'y a pas de souci. Alors, du coup, c'est jusque 16h15, les questions n'ont pas de souci, donc je vous laisse le micro. Oui, deuxième question plus globale. Je vous entends et tous, vous et moi y compris, nous sommes dans un paradigme de la croissance. D'accord ? Equans veut grandir, FIV veut vendre des machines, l'État a des objectifs de PIB, je souhaite que mon entreprise de conseil grandisse et que ses clients grandissent. Et on parle en même temps d'une taxe carbone qui a pour but de baisser les émissions de CO2. Je schématise. Certaines personnes, comme Jean-Marc Jancovici, du Shift Project, disent ce n'est pas possible de rester dans le paradigme de la croissance économique et d'atteindre les objectifs de baisse de carbone. Qu'en pensez-vous? Alors, ils ne vont pas se bousculer normalement, mais Elvia, c'est vous aussi. Alors, Laura, Elvia, pour commencer, elle, c'est. Alors, je m'y risque, mais effectivement, on est dans une logique de capitalisme, hein, c'est-à-dire que du coup, l'objectif est de faire plus de profit et d'augmenter le profit. Alors, c'est vrai que ça paraît effectivement antinomique et on se dit, on a des réserves quand même qui sont limitées, donc à un moment donné, peut-être que ça questionne. Effectivement, ça questionne notre modèle de croissance. Aujourd'hui, on parle de la transition énergétique, donc dans cette logique de transition énergétique, l'objectif, c'est de pouvoir questionner peut-être aussi ce modèle-là, mais en proposant des solutions qui visent cet objectif commun. Je ne dis pas qu'on a la solution et qu'aujourd'hui, on va atteindre et nos objectifs de neutralité carbone et arriver à avoir une notion de croissance peut-être différente. Ça le questionne. Ça questionne toutes les entreprises. On le voit aussi au niveau de l'attractivité des talents, que ce soit chez Equans, mais je suis persuadée que chez FIV, c'est pareil. C'est-à-dire, du coup, donner du sens à ce qu'on fait et de se dire comment je le traduis réellement pour conserver mes talents, mes collaborateurs et attirer les nouveaux. Ça se questionne.
faut voir quand même que ça paraît... En fait, ça questionne beaucoup les entreprises. Hein. Ça tangue, ça fait tourner un peu la tête à nos dirigeants aussi, de voir comment trouver le nouveau modèle. Je ne dis pas qu'on a la solution, mais on y réfléchit. Pour résumer, avant de passer la parole à Laura, c'est effectivement l'injonction paradoxale du moment, qui est effectivement à la fois de dire qu'il faut réduire massivement, et en même temps, on change le modèle, mais pas tant que ça. Et ça, c'est très compliqué à l'échelle individuelle. Laura. Oui, alors juste peut-être pour répondre au tout début sur la question sur les émissions chinoises, c'est tout l'intérêt en fait d'avoir une approche graduelle et ciblée sur certains produits. A priori, la proposition elle est sur la table, que ce soit la Commission, les pays membres, on est confiant sur le fait de pouvoir contrôler sur des grosses installations, des productions d'acier, ciment. Il y aura des systèmes de certification par exemple. Si on commence à parler de choses un petit peu plus compliquées, comme les émissions directes, indirectes, par exemple, effectivement, ça demande encore un petit peu de travail supplémentaire. C'est pour ça que ce n'est pas dans la proposition initiale, en tout cas, même s'il y a la volonté du Parlement de l'introduire. Mais voilà, ça pose plus de questions. Sur la question de la... Peut-être juste, parce que j'ignore totalement le degré de familiarité que vous avez chacun d'entre vous avec les SCOP. Je sais que dans nos formations, on commence toujours par demander quel est le degré de connaissance. Alors, le SCOP 1... Vous savez ce que c'est ? Alors le scope 1, c'est les émissions directes, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'on peut mesurer. Le scope 2, toujours pas. Le scope 2, c'est celles qui viennent des énergies. Donc évidemment, si on est abreuvé en énergie renouvelable, c'est très différent de si on l'est en pétrole. Et le scope 3, qui est celui que vient d'évoquer Laura, c'est les émissions indirectes, c'est-à-dire celles, et là, vous imaginez bien la complexité de la mesure. Et en fait, ce qu'il faut qu'on savoir quand même... Un peu plus largement, le scope 3, ouais. C'est à l'amont, donc sur toute la chaîne de valeur. Donc voilà. L'extraction des minerais et à l'aval sur l'utilisation du produit. D'où le fait que vous avez dû, et on va d'ailleurs aborder cette question-là, parce qu'on aura le temps, du secteur automobile. C'est toute cette question, quand vous voyez passer le fait que finalement les voitures thermiques, quand on regarde l'ensemble du cycle de vie, les voitures électriques peuvent avoir un impact tout aussi problématique. Parce que si on embarque, évidemment, une voiture électrique émet beaucoup moins de CO2 en usage, enfin quasiment pas d'ailleurs, en usage et en ville, mais pour être produite, elle en a beaucoup. Et donc la question, au-delà de la, il y a vraiment la mesure, mais il y a aussi, et puis d'éviter les doubles comptages, parce que quand on commence à... Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, juste pour finir, c'est que par exemple, dans un centre, quand les centres commerciaux mesurent leur empreinte carbone, le gros, c'est souvent parce qu'ils ont été implémentés en centre-ville, non pas en centre-ville, mais à l'extérieur des villes, et qu'on est censé y aller en voiture, et ben le gros de leur empreinte carbone, c'est ça. Donc vous voyez bien comment, dès qu'on attaque ces sujets-là, on remet en cause le modèle même, puisque il suffit d'entrer dans n'importe quelle ville de France pour voir que effectivement le modèle est construit sur l'idée que les gens vont avec des grands parkings se garer, acheter des trucs, qu'ils vont mettre chez eux, etc. Et c'est le gros de l'empreinte carbone. Je laisse la parole à Laura. Pardon. Et sur la deuxième question, sur est-ce que c'est possible d'avoir une croissance verte ? Je pense qu'il suffit de regarder l'intégralité des scénarios qui nous projettent en 2050, en neutralité. Et là, l'ADEME a fait des scénarios très pédagogiques sur son site pour présenter 4 types de scénarios selon les solutions. Est-ce qu'on se repose sur la technologie, la sobriété ou autre ? En fait, dans les 4, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements profonds de l'économie. Donc, dans les 4, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en 2050, si on est en neutralité, on n'aura pas la même économie qu'aujourd'hui. Il y a des changements de structurels, mais vraiment fondamentaux, dans la façon de se nourrir, de se transporter, de se déplacer. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas la même économie. Après, ce qu'on regarde sur les dernières années, c'est ce qu'on voit, c'est quand même, dans certaines économies, un découplage. C'est-à-dire qu'en fait, la croissance continue d'augmenter, mais nos émissions baissent. Voilà. Alors, à un rythme qui est tout à fait insuffisant par rapport pour atteindre nos objectifs, mais on voit un découplage. Et c'est sur ça qu'on peut être... peser notre optimisme sur... Il y a des solutions, à la fois en progrès technologique, mais aussi en réorganisation des chaînes de valeur ou autres, pour émettre beaucoup moins pour une croissance donnée. Après, tous les chemins ne sont pas roses. Il y a des difficultés. Et je fais un peu de pub, puisqu'on va publier un document là-dessus la semaine prochaine. Le Trésor, pour expliquer justement ces questions-là. Alors, il y a transformation dans le titre de l'atelier, à juste titre, parce que je veux dire, quoi qu'il arrive, ce sera transformé. Peut-être faire réagir Cécilia sur le fait que finalement, le problème qu'on a autour de la croissance aujourd'hui, c'est que c'est un indicateur, ce que dit le chercheur Timothée Paris, genre Père Noël. C'est-à-dire, on y croit, on n'y croit pas concrètement. En revanche, est-ce qu'il n'est pas en train d'émerger une autre façon
de mesurer l'impact économique. On parle beaucoup, par exemple, de CAPEX, d'OPEX, parce qu'on s'est aperçu que ce qui était important, c'est de regarder la trajectoire des entreprises, que ce soit sur le climat ou d'autres sujets, bien plus que finalement leur chiffre d'affaires à l'instant T. Est-ce que vous voyez émerger dans le monde des économistes dont vous faites partie des moyens de mesure qui sont différents ? Alors, orientés par exemple sur le carbone, orientés sur la performance environnementale, orientés sur la capacité à réduire ces impacts négatifs, donc elle est mesurée. On a vaguement évoqué la question des limites planétaires qui est évidemment corrélée au changement climatique. C'est-à-dire que, en gros, c'est un institut suédois qui a théorisé 9 limites planétaires. La mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'on en a franchi 6. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il nous en reste 3, mais qu'il serait bien de pouvoir essayer déjà de se réduire. Donc est-ce que ça, c'est des indicateurs que vous voyez émerger dans le champ de l'étude économique ? En fait, ce qu'on voit émerger, c'est que, comment dire, clairement, il y a un débat, et depuis des années, on a y compris des rapports au niveau français, etc., sur la nécessité de sortir de l'indicateur unique qui était celui du produit intérieur brut. La difficulté qu'on a, c'est d'atterrir sur quelque chose d'aussi unanime et facile à calculer. Ce qui se passe, c'est que du coup, dans le meilleur des cas, on commence à coupler des indicateurs, c'est-à-dire fournir des informations en termes de PIB et également fournir des indications en termes d'émissions carbone. Alors, et encore, parce que du coup, ce que je vous dis, là où on a un vrai sujet, je pense, c'est que le carbone, aujourd'hui, on sait faire. Carbone et donc émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire du tout, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile, y compris au niveau des chercheurs, on n'a pas l'information, on ne sait pas mesurer d'une façon unanime la biodiversité. Or, ça rentre en plein dans les discussions des limites, etc. Et ça, en fait, ce que les chercheurs nous disent dans ces domaines-là, c'est qu'en fait, l'indicateur change en fonction de chaque situation et de chaque problématique qu'on regarde. Sauf que du coup, on ne sait, au-delà de la difficulté de le mesurer, on ne sait même pas quel est le bon indicateur. Et donc là, on a une vraie difficulté. Donc la recherche, on est en plein dedans, mais on n'est pas du tout capable de fournir la réponse. Alors, c'est peut-être un point très important parce qu'effectivement, comme Cécilia l'a très bien expliqué, dans des modèles macro, intégrer des indicateurs, par exemple sur la biodiversité, qui soient standardisés, qui puissent être intégrés dans des modèles financiers, probablement, c'est pas le Père Noël, c'est le Graal qu'on ne trouvera donc jamais. En revanche, secteur par secteur, on peut trouver des choses. Concrètement, Pepsi-Cola, par exemple, son problème, c'est quand même beaucoup l'empreinte plastique de son activité et les déchets plastiques et tout ce qui va derrière, qui est un des sujets qui n'est pas le sujet de la table mais qu'on pourrait aborder. En revanche, lui s'intéresse à la culture régénérative de la betterave. Alors là, normalement, il doit y avoir des analystes financiers ou autres qui doivent lui dire, attendez, à l'échelle de votre métier, je comprends que vous vous intéressiez à la betterave parce que ça fait du sucre et que le sucre, ça se met dans le Pepsi, mais d'abord, il y a trop de sucre, premier sujet, qui est plus important que l'agriculture régénérative. Et ensuite, le problème, c'est que vous êtes parmi les plus gros pollueurs plastiques du monde. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on peut commencer à travailler, en fait. Parce que finalement, la question, là, du coup, elle est sur l'empreinte. Juste pour revenir au thème, c'est tout l'intérêt de la taxe carbone, en fait. On met un prix, en fait, sur ces émissions-là. Et ce prix, il se diffuse dans toute l'économie, quels que soient les choix. Après, c'est beaucoup plus difficile sur la biodiversité. Mais en comparaison, par exemple, de réglementation ou autre, où on essaye de cibler des comportements, où on peut mal calibrer ou pas, c'est l'un des intérêts de la tarification. Alors, merci à tous. C'est vraiment très intéressant. Moi, je voudrais revenir sur plein d'éléments, mais je ne vais pas prendre trop le temps. Sur la partie ciment, vous avez dit on est capable, en fait, dès aujourd'hui, d'arriver à 350 kg de CO2 par tonne. J'aimerais bien que vous nous expliquiez en fait rapidement quelle technologie, est-ce qu'il y a du CCUS derrière, mais je vais développer et notamment quel est l'impact sur le prix, sur les CAPEX, en fait les OPEX et en gros le prix du ciment que vous allez sortir, en fait quel va être l'impact et derrière en fait le dernier point c'est la dimension, en fait la célérité, en fait quelle est la rapidité d'exécution dans ces logiques, est-ce qu'on va pouvoir convertir des sites
suffisamment rapidement par rapport à nos objectifs qui ne sont pas pour dans 10 ans ou dans 20 ans, comme a eu l'habitude de le faire l'industrie cimentière, mais qui est pour dès maintenant voir si on peut rattraper le retard qu'on a pris depuis déjà un certain temps. Donc voilà, il y a un enjeu très fort là-dessus. Et dernier point, vous n'avez pas évoqué en fait, par rapport à tout ce qui a été dit en fait, sur la taxonomie carbone, des sujets justement pour accélérer l'innovation. Par exemple, le contrat Carbon for Difference, qui est un sujet. Et comment ça peut en fait, accélérer le process global en fait, sur ces sujets et sortir en fait, de l'immobilisme en fait, général qui est magistralement entretenu par les acteurs en place qui ne veulent surtout pas que le système évolue. En fait, ça fait partie de tout, enfin, un peu du big bang de politique climatique qu'on voit apparaître depuis 2-3 ans. À la fois le fait d'accélérer beaucoup les investissements à la décarbonation, renforcer le prix carbone, mais aussi des nouveaux instruments, nouveaux designs pour essayer de déclencher les changements. Et c'est donc le contrat carbone pour différence, c'est une aide, une subvention. Mais, on peut peut-être expliquer ce que c'est. Voilà, c'est un investisseur qui veut faire un projet, investir dans un projet de décarbonation, mais il n'est pas sûr de la rentabilité du projet en fonction du prix carbone. Et effectivement, par exemple, avec le marché de quotas, on ne peut pas prévoir le prix à 2, 3, 5 ans. Et donc, ce qui fait, c'est que s'il y a un soutien public, si le prix descend en dessous de tel niveau, là, c'est la puissance publique qui va subventionner. Ce qui permet vraiment de prévoir, l'anticiper et d'assurer la rentabilité du projet. C'est un des outils qui permet, je pense aussi, en termes de chercher l'efficacité aussi dans le soutien public. On est globalement contraint par les montants totaux investis, donc ce qu'il faut absolument, c'est chercher de l'efficacité, que l'aide publique permette de donner les bonnes incitations et qu'elle soit ciblée là où on en a le plus besoin. Et le contrat carbone, ça permet de faire ça. Ça permet de se dire, on vous aide, on vous assure, on vous donne une garantie. Et si jamais le prix du carbone est plus élevé, eh ben à ce moment-là, pas de soutien public, votre projet il est rentable. Donc c'est un peu gagnant-gagnant. C'est ce qu'on voit en partie dans les tarifs régulés des ENR, enfin des énergies renouvelables, voilà, qui étaient des contrats carbone avant l'heure et qui se développent beaucoup. Donc il y a un énorme projet de la Direction générale des entreprises de développer cet outil-là et qui a été aussi développé, je crois, en Pays-Bas et au Royaume-Uni. On a une idée du nombre existant aujourd'hui de ce type de contrat ? Non. Enfin, comme je dis, il y a souvent eu des contrats cachés, par exemple, on le faisait implicitement dans les appels à projets de France Relance qu'on a fait en 2020 dans l'ADEME. Il y avait certaines conditions sur les prix carbone, donc on le faisait déjà un peu implicitement. Et là, l'idée, c'est vraiment de le lancer à plus grande échelle. D'accord. Frédéric, du coup, pour la réponse directe, comment vous faites ? Donc sur la partie ciment, alors c'était pas un effet d'annonce hein, quand j'annonce 350 kilos de CO2 par tonne de ciment. On a vraiment toute la technologie aujourd'hui sur laquelle on a investi depuis longtemps chez FCB. Bah déjà, il y a alors au niveau du broyeur, on a le seul, enfin un broyeur qui permet d'économiser 30% de consommation d'énergie et qui est un broyeur sans eau. C'est le seul broyeur au monde qui est sans eau. Donc déjà, on a cette partie-là. Ensuite, dans la production de ciment, on a aussi de l'argile calcinée qui est introduite, donc qui chauffe à des températures moins hautes que si on était sans argile calcinée. Et sur toute la production, quand on calcule bout à bout, on arrive à 50% de moins de production de CO2. Alors après, on a un pilote à Lille. Si vous voulez, on pourra en reparler après, ou je vous invite à aller à Lille pour vous montrer le pilote. Comment il fonctionne chez... Parce que monsieur apparemment travaille dans le secteur, je pense. Chez FCB. Et bah, là, récemment, on a vendu une cimenterie à Vicat sur le Sénégal, qui sera là, une des cimenteries les plus vertes sur le continent africain et au monde. Et elle est où, du coup ? Au Sénégal. Oui, où ? À Rufisque. À Rufisque, dans la banlieue donc, de Dakar. Voilà. Mais avec plaisir pour en parler après. Et le prix de revient. Alors oui, ouais, ça c'est oui. Une bonne question. Alors sur le prix du ciment, alors nous, ça c'est nos clients, par exemple Vicat ou d'autres clients dans le ciment, qui alors soit c'est un prix qui est fixé par les États, ou c'est eux qui fixent leur prix du ciment. Nous, on n'est pas, on vend la technologie de l'usine clé en main. Ah bien sûr, oui. Alors. Voilà, donc la question en fait qui est effectivement posée, mais du coup on va faire répondre à Elvien peut-être vous. Non mais après c'est une bonne après, question. Après c'est le problème de votre client. Oui, bah après si le client achète plus cher sa technologie, c'est sûr que derrière,
ça risque d'augmenter son prix du ciment. Ça c'est évident, il va être obligé de l'inclure dedans. Mais après, comme on voit d'autres choses qui peuvent augmenter... Et c'est là que le client de Frédéric fait appel à Elvien. Non, voilà. À peu près. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Donc là, je ne connais pas ce cas en espèce, en toute franchise. Alors, vous m'excuserez, 24 heures pour connaître toutes les activités de Bouygues. Dans le béton, je pense qu'il y a quelques petites choses. Mais par contre, on peut élargir. Mais j'en doute pas une seconde que je sais qu'il y a beaucoup de R&D dans ce domaine-là. Je trouve que ça questionne plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est quand on se met dans une technologie plus vertueuse dans le but d'abattre les consommations et les émissions de gaz à effet de serre, on a des mécanismes en France qui visent à supplanter, supporter ce CAPEX, donc du coup de pouvoir lisser pour le client final ce genre de choses. Et ce que ça questionne, je trouve, sur le prix, c'est de passer d'une logique moins 10 ans à une logique mieux 10 ans. Et ça, je pense qu'on est tous un peu dans cette logique-là. On est tous d'accord pour faire du mieux 10 ans. Mais on a tous un comportement aussi individuel, hein, consommateur, se dire, est-ce que moi, je suis prêt à payer un peu plus cher pour avoir un produit de meilleure qualité ? Donc, je ne veux pas me dérober, mais je trouve que ça répond à la question, se dire, on questionne le modèle. On est tous consommateurs à la fin, donc on fait du B2B, mais aussi B2B2C. Oui, il y aura un effet, et c'est de passer du moins 10 ans au mieux 10 ans. Il y a encore un peu de chemin. Et pour boucler, effectivement aussi, et c'est pour ça que je posais la question de combien intègre le prix du CO2 dans leur calcul ou le prix de l'eau, hein, le prix de l'eau, dans leur calcul d'amortissement, par définition, là, la question du « ça coûte plus cher », ben, ça dépend vraiment comment vous calculez vos modèles. Est-ce que vous faites ou non, aujourd'hui, la plupart des banques sont en train, à un horizon 5, 10, 15 ans, de se dire « je vais aligner mes prêts sur la taxonomie ». Parce que finalement, c'est un moyen de comprendre si le modèle auquel je prête, et en Europe, la plupart du temps, les financements sont bancaires, hein, pour ce genre de choses, si le calcul se fait différemment, et bien dans ce cas-là, le prix, il est absorbé. Parce que c'est vraiment, et encore et toujours, la question de comment on analyse les choses. Et c'est vrai que, et quel type d'indicateur, ce que Cécilia connaît bien, qu'est-ce qu'on rentre dans les modèles. Et aujourd'hui, on a plein d'éléphants dans la pièce un peu partout, ça c'est sûr. De toute façon, avec le côté bancaire, on le voit bien, ce côté financement vert, où nos clients ou nos banques, hein, c'est le sujet du moment, et nos banques sont vraiment demandeuses d'opérations, de contrats qui soient verts, qui aient une vraie orientation environnementale. C'est intégré dans la solvabilité à horizon 10-20 ans aujourd'hui. Pardon, Cécile. Là, en plus, il devrait vraiment y avoir l'effet direct du prix du carbone. Typiquement, une cimenterie, en payant ses quotas, c'est directement intégré. Surtout dans une optique où, à terme, avec ajustement carbone, on enlève les allocations gratuites. Donc, le quota gratuit, il disparaît complètement. Progressivement, oui. Mais il est censé juste... l'ajustement carbone... Alors, modulo les derniers tiraillements possibles, mais normalement, l'ajustement carbone devrait faire disparaître la location gratuite. En tout cas, d'un point de vue... ça, pour le coup, c'est... Peut-être horizon 2035, à peu près. 2035. Peut-être la conclusion, parce qu'on arrive au terme de ce débat, c'est vraiment ce qu'on a essayé de vous montrer, et je pense que vous avez pu avoir vraiment plusieurs angles et beaucoup d'informations, c'est comment finalement ce qui a été un mécanisme saboté au moment de son lancement, qui était les quotas carbone, saboté par les États eux-mêmes qui ont alloué tellement de quotas que du coup ça valait plus grand chose, là on a changé d'époque. Là, on a changé d'époque, on est sur une logique, et Laura l'a très bien expliqué, d'avoir de compréhension que toutes les crises sont liées, que effectivement, le plus important, c'est pas d'inciter telle filière, tel secteur à tel endroit, mais vraiment de penser global, évidemment de penser au moins global à l'échelle européenne, qu'effectivement, les témoignages de Frédéric et d'Elvia ont permis de voir à quel point, de façon globale, malheureusement de façon très hétérogène aujourd'hui, au sein d'un certain nombre de secteurs, il y a des interrogations, et qu'effectivement, ce qui est dommage, clairement, c'est qu'on en arrive à aller voir Elvia pour lui demander comment on paye sa prochaine facture, alors qu'évidemment, si tout ce qui est un peu sur la table depuis 20 ans est pris en compte, et encore une fois et toujours, et peut-être c'est ça le point le plus important, de se rendre compte que si on se dit ça coûte pas cher là maintenant, tout de suite, eh bien, il y a beaucoup de chances que ça coûte très, très cher à un horizon 5, 10, 15 ou 20 ans. Et ça, c'est vraiment ce que nous ont enseigné les crises de cette année 2022, qui n'est pas finie, mais qui est déjà très corsée. Merci beaucoup de votre attention à tous.